Ce qu'on a voulu faire avec le magazine Deleuze, c'est créer une machine à donner faim. Un outil qui donne envie. Groenten, dieren, licht, texturen laten zien. Goesting geven in een goede, eenvoudige, stikbejaarnijs zoals dat je nog nooit zag. Een wortel laten kraken voor de ogen van de lezers. Ze laten watertanden bij het zien van een soep of een ijsje. Pour réaliser le magazine, on a la chance de travailler avec une équipe d'artisans de grand talent. Et on essaye de tirer le meilleur de leur savoir-faire. De rock'n'roll van vandaag, dat is food. Food, dat is rock, dat is pop, dat is mode. Dat geeft smaak aan alle gesprekken en kleurt onze social media. Maar eten, dat moet vooral eenvoudig blijven. Bij eten draait het om sharing. En sharing, dat is caring. Net zoals in de filmwereld hebben we storyboards geïntegreerd in ons werkproces. Zo verliezen we geen enkel detail uit het oog. Integendeel, voor elke foto kiezen we de meest fotogenieke groente uit. We linken die vervolgens aan andere ingrediënten en authentieke materialen, zoals een mooie kom uit keramiek of een houten plank die een verhaal vertelt. Pour se différencier, il faut avoir quelque chose d'unique à raconter. Chez Deleuze, on ne vend pas des recettes, mais on vend des produits. Et donc, on a choisi de construire ce magazine autour du produit. En fait, on essaye de prendre le consommateur par la main pour l'emmener jusqu'au produit de la recette qui lui fait envie. On doit donc retrouver le rayon du supermarché dans le magazine. Het doel van onze verhalen dat is onze lezers informeren en inspireren. Zo beleven onze lezers een unieke shopping experience die hen transformeert in een consument die doelbewust kiest, koopt en geniet. Pour nous, c'est important d'être en phase avec le quotidien des gens qui se disent tous les jours: je vais devoir faire mes courses, je vais cuisiner, je vais passer à table. On veut être là à chacun de ces moments et les aider pour que cuisiner reste un plaisir partagé. On a réussi à faire bouger les lignes, mais ce qui nous motive le plus à chaque numéro, c'est de nous remettre en question en tant qu'artisans.